Nous sommes à Saint-Raphaël, dans le département du Var, juste devant le Lion de Terre. Vous voyez, vraiment, il est à une encablure de palme, à quelques mètres seulement de la côte. Il jouxte en fait le chantier naval de Saint-Raphaël et le port de Plaisance. Donc voilà une très belle zone avec, vous voyez, un premier écueil ici, que je vous montre avec le doigt, un deuxième écueil. Et puis là, une première pointe là-bas. Donc c'est un joli parcours à faire, suivi de suivre sur le site. Et vous avez aussi en fait un sentier du littoral qui va jusqu'à l'île d'Or. Et si on revient en arrière, vous allez voir le sentier d'accès. Voilà, il suffit de prendre le sentier ici, là. Voilà, et ici, vous avez quelques marches et ensuite quelques rochers à descendre pour arriver dans cette petite crique qui vous permet une mise à l'eau vraiment facile. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins évident parce qu'il y a eu une grosse tempête hier. Donc il y a encore pas mal, avec du vent du sud-est, il y a encore pas mal de houle à rentrer. Et puis, vous voyez, en descendant ces marches, on arrive sur le parking du chantier. Alors il y a quelques places. Là aujourd'hui, j'ai trouvé une place. Ouais. Sinon, il faudra se garer sur le grand parking gratuit du port de Plaisance, qui a seulement 200 mètres, hein, donc vous pouvez aussi vous mettre là-bas. Il est plus autorisé maintenant, c'est interdit de stationner le long de la rue d'accès qui mène au chantier, entre le parking du port de Plaisance et le parking du chantier. Vous avez une rue avec des places sur le bas-côté, mais c'est aujourd'hui interdit de stationner avec le risque d'enlèvement de votre voiture, donc ne le faites plus.